Salut tout le monde, donc du coup ça va être l'avis comme je l'avais annoncé sur Deus Ex Mankind Divided. Et comme vous pouvez le voir au titre, bah, c'est la déception. Ça fait tellement chier. Alors juste pour vous dire, je viens juste de terminer le jeu, donc là je suis vraiment à chaud. C'est vraiment une réaction à chaud. Et je suis bah, quand même très déçu par la fin en fait. Tout simplement, je sais même pas par où commencer. Ça, enfin, le jeu commençait vraiment, vraiment très bien, hein, je vous l'avais dit dans mes premières 3-4 heures de jeu. Et en fait, donc ça fait, ouais, ça fait peut-être 2 semaines à peu près, un peu moins de 2 semaines, que j'y joue. Et je trouvais qu'il, enfin là, je trouve qu'il était assez court en fait. Et court, peut-être pas dans la durée de jeu, parce qu'il y a les missions secondaires, il y a les. En plus, on peut pas de rejouabilité, donc ça augmente la durée de vie, etc. Mais je dirais pas qu'il est court, parce que je pense que finalement, j'y ai quand même passé pas mal d'heures. Et j'avais vraiment qu'une envie, c'était toujours à chaque fois d'y rejouer. Et du coup, peut-être que je comptabilisais pas mes heures, dans le sens où bah, je jouais, puis à chaque fois, je me disais, ah merde, ça a quand même 2 heures. Et puis, bah, ça m'était arrivé ça 5-6 fois, donc du coup, bah, le bref, ça grimpe vite. Mais en fait, c'est la portion d'histoire qu'on nous révèle, je la trouve ultra courte par rapport à la fin. Je vais essayer de pas trop spoiler, auquel cas j'aurais mis je dirais un avertissement, mais merde, la fin est tellement ouverte, on se dit, ok, c'est la moitié ou les trois quarts du jeu, dans le sens où on a franchi une étape, et là on va avoir. Mais non, en fait, vous tuez juste le boss de fin, et puis vous y avez marqué, nouvelle partie plus débloquée, et puis voilà, cinématique de fin avec toutes vos conséquences. Et c'est grave mauvais, en fait, parce qu'il y a. Aucun boss dans le jeu particulièrement, donc on se dit que tous les niveaux qu'on fait c'est un peu du build-up, c'est-à-dire voilà on a une piste, on va là-bas, on apprend des choses, ça nous ramène à une piste, etc. Et puis hop, ça y est, on commence à dévoiler un peu les trucs, et puis enfin je sais pas, puis j'ai le sentiment de déception que j'ai, c'est bah, tout simplement, et malheureusement, j'ai l'impression qu'il va encore avoir des suites, et je n'ai même pas encore une suite, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des suites à ce jeu-là. Parce que, bah, sans pas. Enfin, parce que ça leur sera rentable, bien sûr. Hein. Enfin, ça m'aurait pas étonné qu'il y aurait des suites, mais. Là, c'est vraiment coupé, j'ai l'impression de l'histoire du jeu en deux, même en trois, quoi. Parce qu'on commence enfin à déceler des trucs. Et ça nous laisse tellement sur notre faim. Enfin, j'ai beaucoup de mal à dire, mais parce que je suis vraiment déçu. C'est moche, quoi. Alors que le Human Revolution, je le trouvais vraiment abouti de A à Z, même si j'avais dit, et je trouve encore qu'il y a un moment, ça part un peu en couille, et du coup, on suit plus trop ce qui se passe. Et là, j'étais assez satisfait de Deus Ex Mankind Divided, qui reprenait vraiment la suite, sans faire trop d'ellipse. Enfin, une ellipse de 2 ans, mais. Où je dirais les événements de la fin du premier entre guillemets jeu du premier Deus Ex, c'est pas le cas. Hein. Voilà, il était juste aussitôt suivi dans Mankind Divided. Et c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui se mettaient en place. Je trouvais ça sympa et bordel de merde. Vous savez quoi? Je vais spoiler. Hein, je m'en excuse. Hein. C'est vrai que ça fait assez tôt, mais voilà, je mets un avertissement parce que ça va être plus facile pour m'expliquer. Mais voilà, on nous parle de Janus. On nous montre au début les Illuminati dans l'intro, voilà, genre il y a plein d'Illuminati, il y a le vieux, il y a Bob Page, donc qui du coup est assez important. On en voit même deux autres là. Il y a ça, il y a tout le collectif Mastodon, donc oui avec Janus, mais on s'est dit on apprendra un peu plus. Il y a donc Marchenko, le grand méchant de l'histoire qu'on voit quoi deux, trois fois. Il y a plein d'éléments en fait où justement on peut se perdre un petit peu au début. Et on se dit, voilà, ces éléments-là vont se retrouver, ou du moins on va un peu plus les explorer. Genre Janus, à la fin du jeu, on le voit pas, et il est plutôt dit, ok, la prochaine étape, c'est, faudrait que je le rencontre. Mais non, mais bordel, les mecs, j'ai envie de le voir dans ce jeu-là, moi, Janus, il est introduit dans ce jeu-là. Bah, j'ai envie de le voir à la fin, ou. Ouais, le voir à la fin, quand, mais pas me faire un vieux teasing cliffhanger en mode, le prochain jeu, ça sera la recherche de Janus, putain. C'est mauvais quoi, on nous parle de lui, il nous aide pendant toute la durée du jeu.
avec le collectif Mastodonte, avec Alex Vega qui est avec nous et tout, on se dit ok, on fera qu'on rencontre pour voir ses intérêts. Et en fait non, il est juste là, quoi. Et t'as l'impression que bah merde, enfin on aurait tellement voulu le voir. Il y a ça, il y a donc les Illuminati qu'on voit au début, qui bon bah ils sont toujours là, mais en fait ils. Bah moi je genre bah, par exemple, Bob Page, j'aurais bien aimé le rencontrer, voilà. Lui faire face, genre c'était un Illuminati qu'on aurait je dirais éliminé, mais voilà, le concept c'est qu'il y en a toujours plein derrière, et puis que voilà, là ça aurait peut-être pu justifier, je dirais, une certaine suite, sachant que si on connaît un peu l'histoire de Deus Ex qui était sorti sur PC, on sait que voilà, les Illuminati existent toujours, enfin après ça a changé, hein. L'histoire est d'ailleurs très compliquée, mais enfin je sais pas, je me suis dit qu'on irait un peu plus loin dans les Illuminati, en fait, parce que dans Human Revolution, le côté complot Illuminati arrive un petit peu comme ça. Je sais plus comment ça vient, mais je crois que c'est Sarif qui nous dit mais c'est les Illuminati, Adam, genre en mode grosse théorie de complot de merde. Et il s'avère en fait que c'est trop le cas, et du coup ça tombe un petit peu de haut, alors qu'on s'aurait dit que ouais, il y aurait eu un complot, mais pas aussi pompé comme ça, ou pas aussi simple que ça. Et bon, bah je me dis ok, pourquoi pas, allez, vas-y, deal with it. Et là, du coup, dans Mankind Divided, le parti pris, c'est les Illuminati qui sont toujours derrière tout ça. Donc, tu te dis, ok, là, on va vraiment leur faire face. Et même, je me souviens, dans mes ressentis après 4 heures de jeu, j'avais dit, ouais, j'espère que la fin du jeu, ça va être. Enfin, je m'étais dit, voilà, la fin du jeu, ça va être. Voilà, on aura les Illuminati, on sait qu'ils existeront, qui ils sont à peu près. Et voilà, Adam Jensen, voilà, aura avancé dans sa quête. Là, il sait juste qu'il y a les Illuminati derrière, mais il sait pas forcément qui, il sait pas vers quoi se diriger. Je sais pas, enfin, ça c'est pas abouti. Et puis le pire là-dedans, c'est Marchenko, le Victor Marchenko, donc le grand méchant de l'histoire, que la première fois qu'on rencontre, je trouve qu'il est ça, enfin c'est bien, parce qu'on rencontre pas en mode je suis le grand méchant, machin, machin, machin. On le rencontre un peu, voilà, il fait ses petites affaires de criminel. Voilà, il y a un petit face-à-face en mode ouais, je dis que tu la joues pas avec moi, puis voilà. Et après, on commence à le suspecter, on commence à dire ah, peut-être que c'est lui, puis après, du coup, si on fait certaines recherches et tout, on apprend qu'en effet, c'était lui qui était à l'origine des attentats, et puis même d'autres trucs dans le jeu, notamment avec Talos Rucker. Et là, du coup, on se dit ok, c'est voilà, il est plus important que ça, mais. À la fin, alors après ma fin, là je suis tout à fait conscient que j'ai pas forcément exploré tout le jeu, que j'ai sans doute loupé des trucs, et que du coup ma fin, je sais pas si c'est la bonne, mauvaise, etc., est impactée sur ce que j'ai fait, et du coup bah, peut-être que j'en manque un petit peu, je dis pas, mais moi à la fin, je tue Marchenko parce que je trouve que le niveau de boss, bah il est pas dur, mais en fait il est mal foutu, c'est-à-dire qu'il y a des pièges partout, il y a plein de passages partout, il y a des armes à disposition à fond. Et j'aime pas du tout ces combats de boss-là qui sont pas intelligents, en fait. Je trouve que. Il y a au bout de. Enfin, en fait, je peux vous dire comment ça s'est terminé. Donc, j'avais mis le jeu en difficulté moyenne. Je l'ai baissé parce que j'avais l'impression de vider mes chargeurs sur lui. Et ça lui faisait rien. Du coup, j'ai baissé le niveau de difficulté. Et en fait, je me suis mis à un moment dans un conduit d'aération. J'attendais juste qu'il passe devant. Et puis, je l'ai bourriné de je sais pas combien de chargeurs pour le tuer. Parce que je me suis dit, voilà, c'est juste un niveau de boss. Je dirais un peu mal foutu, parce que c'est vrai que globalement l'IA dans le jeu est un petit peu. Enfin, les combats, quand vous faites les combats au fusil, c'est un peu bordel, parce que les ennemis courent dans tous les sens, ils sont pas du tout ordonnés, ils courent devant vous. Donc, du coup, ça fait des combats aux armes à feu qui sont vraiment pas très intéressantes. Alors, pourtant, il y a une certaine diversité, une certaine. Voilà, il y a quand même plusieurs moyens avec les armes à feu que je trouve intéressantes. Et les combats armes à feu sont vraiment pas les plus intéressants finalement. Et là, du coup, ce niveau de boss là, je me suis dit, bon, voilà, c'est juste un niveau intermédiaire. Et puis à la fin, là, Marchenko il va s'enfuir ou je sais pas quoi. Et en fait, non, il meurt. Je fais, tiens, il meurt, genre, ok, enfin, ou alors est-ce qu'il va revivre, je sais pas quoi. Enfin, je m'attendais à un petit twist là-dessus. Et là, je vois une nouvelle partie plus. Je fais, mais what the fuck? Je fais, sérieusement? Enfin, j'étais vraiment, j'étais là. J'étais là, voilà. J'étais vraiment tombé des nues, quoi, l'expression un peu plus adéquate. Et ce méchant-là, il est introduit intéressant, c'est-à-dire qu'il n'est pas introduit en mode, voilà, comme je vous dis, grand méchant qui se le montre, c'est plutôt, voilà, le méchant, enfin, c'est juste un mec qui est introduit de manière lambda, bon, il est un petit peu trop designé en mode, j'ai un gros.
Il est trop bien designé pour qu'il soit juste un personnage secondaire. Mais dans l'idée, voilà, j'aimais bien comment il apparaît en fait. Et en fait, bah, on le revoit plus après du tout. Il n'y a plus d'autres confrontations, donc du coup, il n'y a pas vraiment le moment de construire un peu la relation avec. Parce que voilà, un bon méchant de jeu vidéo, ou de manière un bon méchant de manière générale, c'est qu'il a un rapport avec le héros d'histoire. C'est qu'ils ont un truc qui les lie de quelque part, et que, du coup, leur relation, leur d'antagoniste, elle est encore plus décuplée. Là, il y a le côté qu'ils sont tous les deux augmentés, et qu'ils ont chacun, je dirais, des intérêts, mais. Bordel, le monde il s'est divisé justement entre augmenté et non augmenté, donc c'est tellement trop facile ce clivage-là. Enfin, je sais pas, ils auraient pu trouver autre chose. Et enfin, je sais pas, même là on a des questions sans réponse. Est-ce que du coup Marchenko, je suppose, c'est une sorte d'agent libre des Illuminati qui l'ont mis là pour éliminer certaines cibles pour leurs intérêts? Parce que même, enfin, il y a plein d'enjeux quoi. Il y a du coup la Nathaniel Brown du groupe Santo qui fait sa rabbia, qui fait une sorte de ville dans le désert uniquement pour les augmenter, alors que justement il y a une loi pour le retour à l'humanité dont les Illuminati aimeraient qu'elle passe. Il y a tout ce truc-là qui en fait est en cours, et on se dit ok, ça va être un élément déclencheur, voilà, limite on verrait Rabia, on verrait Nathaniel Brown plus en détail, et là on les voit juste brièvement. Tout ça, c'est que des éléments du décor, sans forcément que ça devienne des éléments d'histoire et qui ont un impact, sur lesquels on peut avoir un impact. Et même, j'ai pas ressenti avoir beaucoup de choix. C'est-à-dire que la fin est résumée en fonction de vos choix de tout le jeu, mais c'est-à-dire que vous vous dites pas qu'à un moment donné, ce choix-là va impacter la fin du jeu. Et ça, je trouve ça assez dommage et mauvais en général, dans tous les jeux. On nous dit, voilà, vos choix influencent la fin. Sauf que vous savez pas, lorsque les choix que vous faites à le moment T, bah, à l'instant T plutôt, comme on dit, influenceront la fin. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai fait ça parce que j'avais pas forcément le choix, en fait, vraiment, c'est juste que j'avais plus forcément d'armes, ou j'avais plus forcément de moyens. Du coup, j'y étais allé un petit peu franco, et ça m'a fait faire un truc juste pour que j'avance, et je m'étais pas dit que ça influencerait ma fin de jeu. Il y a des fois où c'était intéressant, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment choisir entre l'un ou l'autre. Genre à 3-4 reprises fallait choisir qu'est-ce qu'il fallait faire, genre sauver telle personne ou aller à tel endroit, et ça je trouvais ça intéressant. Où là je me dis ok, il va y avoir vraiment des conséquences, mais bah, j'ai pas l'impression que c'est des grosses conséquences, c'est plus des conséquences de révélation. C'est-à-dire que si vous allez à tel endroit et pas à un autre, vous allez apprendre telle chose et pas à tel autre. Donc là-dessus j'étais, enfin je sais pas, là, quand vous reprenez Human Revolution, la fin, voilà, vous avez vraiment 4 fins différentes où en fait vous devez choisir les intérêts des personnages qui tout au long de l'histoire sont présentés avec leurs intérêts justement, et à la fin vous devez choisir bah, quel personnage vous voulez solliciter, ou justement faire tout péter pour dire bah écoutez, démerdez-vous les mecs. Et ça en fait je trouvais ça sympa, ça nous tous les éléments du jeu, voilà, étaient mis devant nous, et là on a vraiment le choix que là la fin elle nous tombe comme ça, en nous disant bah voilà, voilà ce qu'est la fin, en fonction de ce que vous avez fait. Sauf que bah finalement vous savez pas. Si moi je voulais faire une fin de telle manière, bah fallait que je sache avant que tel choix allait faire cette fin-là. Et je trouve ça que c'est un peu déroutant en fait. Ça nous dit bon alors je vais recommencer le jeu et faire ce truc-là pour voir ça. Non, j'aime bien avoir une maîtrise de A à Z, c'est-à-dire que ok, on me propose des choix ou des chemins différents, que je prends celui qui me semble le plus judicieux, et qu'à la fin, ah oui, d'accord, on me remet devant ce choix que j'ai fait là il y a longtemps, et du coup, ça me. Un peu comme dans Witcher, où là vous faites un choix, et puis des fois, voilà, ça vous revient un petit peu à la gueule, et ça c'est intéressant. Et même, il y avait ça dans Deus Ex, au moment où j'avais fait une quête secondaire avec les Dévalis, donc la mafia locale, et pour une quête principale, vu que j'ai fait cette quête-là, et que j'étais en lien avec les Dévalis, bah, j'ai pu accéder à la suite du niveau sans faire un truc avant, un service qu'on me demandait. Et ça, je trouvais ça bien, tout simplement. Ce que je fais, ah ok, d'accord, ce que j'ai fait là, bah, c'est grâce à mon action. Et là, j'étais en quelque sorte récompensé d'avoir fait cette mission secondaire là. Mais enfin, bref, déjà, par rapport au côté des choix, je trouve ça un peu. Bah, on n'a pas trop la maîtrise finalement, c'est faut le savoir. Mais c'est surtout, enfin. Il y a tellement de. Je sais pas comment dire ça, mais il y a tellement d'éléments qui sont mis, qui sont présentés, qui sont intéressants. Et là, on a juste l'impression d'avoir en effet juste la moitié du jeu,
la fin est un peu abrupte. Elle n'est pas non plus ouf, c'est-à-dire que bah, voilà, il va se passer un autre attentat à Londres. Alors oui, du coup, j'ai complètement spoilé hein, tout le truc, mais j'aurais mis un avertissement. Voilà, on empêche un attentat à Londres. Où, du coup, il y a des intérêts parce que c'est Nathaniel Brown qui fait son meeting et du coup, lui, il est contre la loi du retour pour l'humanité et du coup, les Illuminati sont eux pour cette loi-là. Du coup, on se dit, voilà, c'est un truc assez costaud, quoi. Là, on va vraiment apprendre des trucs. Il y a Marchenko qui est sur place, on va apprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, quels sont les intérêts. Voilà, là, on se dit, on va avancer. Et non, c'est la fin du jeu. Comme si, voilà, il va y avoir une suite directe à ce jeu-là, alors que bah, ça aurait dû être inclus dedans. Alors, c'est là où je me dis, peut-être que je me suis tellement amusé sur le jeu que j'ai pas vu les heures passer. Sauf que du coup, bah. Merde quoi, est-ce qu'on peut pas faire un jeu où certes l'histoire dure 40-50 heures, quitte à ce que ce soit presque répétitif, mais qu'au moins l'histoire du jeu, parce que c'est quand même ça qui prime sur Deus Ex, ben au moins soit aboutie de A à Z, comme dans Human Revolution, tout simplement. L'histoire de Human Revolution, de A à Z, je trouve que voilà, on n'est pas largué, à la fin il y a un petit cliffhanger dans le sens, ben on se dit qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais on se dit que ça pourrait très bien laisser libre cours à notre imagination, sans forcément. En faire voilà, un gros truc coupé en deux, comme peut faire l'impression que j'ai dans Deus Ex Mankind Divided. Et il y a même. Alors bon, c'est l'histoire des DLC à chaque fois qui. C'est encore le sujet, mais. Même, il y a déjà un DLC annoncé pour fin septembre. Qui, donc, du coup, semble être surtout un élément du jeu qui a été amputé. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont. Les mecs, on se sont dit, bah, ça fera un élément du DLC. Alors que ça aurait pu faire une mission secondaire. Enfin. Même, voilà, j'ai lu un peu vite fait sur des forums comme quoi les DLC iront plus loin par rapport à la fin. Moi, j'y crois pas trop, hein, malheureusement. Je pense qu'ils vont juste, dans 3-4 ans, nous annoncer un Deus Ex avec la suite. Et vous savez quoi? Je pense que je vais être intéressé, parce que bordel, je veux la suite. C'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Le gameplay est sympa. Du moins, le gameplay infiltration est sympa. Je vais pouvoir pirater. Enfin, franchement, voilà, cette approche, les différentes approches sont vraiment sympas. Outre le côté voilà gunfight qui je trouve laisse vraiment à désirer, mais autrement le gameplay est vraiment sympa, l'histoire est prenante, et il nous la coupe bam comme ça. Je sais pas, je trouve ça tellement mauvais, moi qui aime bien voilà écrire des histoires ou du moins rechercher la complexité dans les histoires, en plus avec une ambiance cyberpunk, avec des intérêts je dirais qu'on ne connaît pas dans d'autres genres, c'est-à-dire que voilà tout ce qui est transhumanisme etc. c'est intéressant. Et merde, enfin, je sais pas, il y a tellement d'éléments qu'ils mettent au début, et il y a même un truc, et ça, je sais pas comment les mecs fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils font une campagne marketing de pub, et marketing de pub, ça va de soi, avec des super trailers et tout qui sont vraiment intéressants, et notamment dans Deus Ex, on voyait donc du coup Marchenko, voilà, on disait, ok, lui, c'est un leader de terroriste, et on voyait un mec plutôt jeune avec un capuche orange en augmenté, voilà, qui se faisait souvent martyriser. Et lui, je me suis dit, ok, il va avoir un impact intéressant dans le jeu, genre ça va être un médiateur entre Jensen et Marchenko, voilà, il va être un élément important dans l'histoire, et on le voit juste pas du tout. En fait, j'ai juste l'impression que, et on le voit quand on lance le jeu, il y a la cinématique d'intro, enfin le trailer de lancement, on le voit, et puis même quand on est à Prague avec l'attentat à la gare, bah je crois qu'on le voit à un moment dans le fond, puis. Si on a vu les trailers de lancement, limite ça nous a attiré l'œil, on se dit ah ouais, putain, lui j'ai déjà vu avant, donc du coup ouais je sais un petit peu. Donc on sait déjà que c'est lui, mais du coup on se dit ah ouais ok je l'ai remarqué, donc du coup c'est un peu satisfaisant, une sorte de récompense par rapport à ça. Et en fait non, il n'existe même pas dans le jeu, il n'est même pas mentionné, il fait juste partie de la campagne pub. C'est débile, alors je sais pas si quand les mecs ils font leur campagne pub, c'est juste pour. Enfin, je sais pas, c'est comme quand il y a des trailers, je prends le trailer de Batman Superman où on voyait Doomsday, alors que dans le film, ça va être un peu la surprise d'avoir Doomsday, enfin le gros twist de fin de film, et il le met dans le trailer, donc ça gâche énormément le spoil, enfin ça spoil énormément le film se spoil lui-même. Et là, j'ai envie de dire, mais pour Deus Ex, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas fait ça aussi en mettant voilà, le mec avec la capuche orange, etc. Est-ce qu'ils ont pas spoilé aussi? Mais vu qu'ils en disent pas plus que ça et qu'on le voit brièvement. Je me dis, voilà, le truc de la gare, ça va nous mener à lui, et du coup, lui va nous parler de Marchenko. Enfin, voilà, là, on va apprendre un petit peu ce cheminement-là.
Mais non, pas du tout, il n'existe juste pas. Et je sais pas comment les mecs fonctionnent. Ils ont juste mis ce personnage-là parce qu'ils le retrouvaient stylé, mais en fait il est même pas dans le jeu. C'est absurde, même dans le jeu, dans les trailers, on voyait Marchenko. Voilà, limite avec un culte de la personnalité. Enfin voilà, je sais pas, un mec ultra qui a le contrôle, et puis là on le voit tellement peu. On n'a pas l'impression que c'est un antagoniste, quoi. Et enfin, je sais pas, je veux dire. Je sais pas vraiment quoi dire, je m'excuse d'ailleurs si je radote un peu, mais j'ai vraiment une grosse déception et merde, il y a tellement de jeux qui m'ont déçu parce que voilà, le côté marketing a tellement été costaud que j'avais la hype simplement et que je me suis fait avoir, ou parce que le jeu s'inscrit uniquement dans une logique de sortir des jeux après. Je prends l'exemple d'Assassin's Creed 3 où moi je pensais réellement où ça va être la fin d'un Assassin's Creed, ou du moins la fin d'un cycle, et c'était juste un jeu parmi tant d'autres parce qu'après ils en ont sorti 3 autres si ce n'est plus. Les années qui suivent, et là j'ai tout simplement peur que ça soit ça, alors que la licence des Deus Ex peut être tellement intéressante, et j'ai l'impression qu'ils veulent en faire beaucoup de jeux. Et j'avais déjà eu cette réflexion-là de me dire, le jeu fonctionne tellement bien, ça serait quand même étonnant que Square Enix s'arrête ici, parce que voilà, là où les Deus Ex de la génération, je dirais 2010, voilà, il n'y en a eu que deux, donc ça serait étonnant qu'ils en fassent que deux. Surtout qu'il y en a eu un 360, un sur PS4, donc ce serait étonnant qu'il s'arrête à un jeu par génération de console. Mais je me suis dit, ok, c'est peut-être qu'ils en feront un dans 4, 5, 6 ans, quoi. Mais qu'au moins chaque jeu sera abouti de A à Z comme a pu l'être Human Revolution. Mais en fait, non, le sentiment que j'ai là, c'est que non, je m'attendais vraiment pas à avoir la fin parce que. Bah, on le sent pas, enfin moi j'aime bien quand les jeux, on sent la fin, on se dit ok là, voilà, il est temps que ça se termine, ou voilà, ok, on connaît tous les enjeux, il faut que ça se dénoue, que le dénou voilà, qu'il y ait le dénouement qui arrive. Là j'ai juste l'impression qu'on était au point culminant de. Bah, d'intro je dirais, mais vous avez tous les éléments de base de l'histoire qui sont mis, et là petit à petit, vous voyez que ça se resserre un petit peu, on en apprend un petit peu plus, et on arrive vraiment à un point. Un peu de rupture où en fait bah, tous les éléments arrivent et puis voilà, c'est une sorte de twist. On affronte le méchant mais il s'en va, ou il nous laisse pour mort, ou on apprend qu'il y a un traître ou je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a une sorte de cassure et du coup le jeu redémarre depuis ce point-là jusqu'à la fin. Je sais plus, comme une sorte d'élément perturbateur si on peut appeler ça, mais voilà, je m'étais dit ça va être ça. On doit choisir là entre sauver les Nathaniel Brown ou affronter Marchenko, et on se dit, bon bah si on fait l'un, l'autre va s'enfuir, ou si on fait l'un, ça va condamner l'autre. Et du coup, à partir de ce point-là, voilà, les événements plutôt du jeu vont s'accélérer, et voilà, on va vraiment être dans le truc, parce que là, tout était un petit peu construit petit à petit. Il y avait la menace des attentats, le fait que la CDA, la coalition des augmentés, était toujours accusée, donc du coup, il y avait une sorte de complot derrière. Il y avait toutes ces questions aussi par rapport au clivage et à l'apartheid, justement, enfin, je sais pas si on peut utiliser le mot apartheid, mais ouais, entre augmenté et non augmenté. Il y avait tout ça qui était un petit peu dans l'ambiance, et puis il fallait un élément qui, bam, qui je dirais, a fait avancer un peu le tout. Et je m'étais dit, voilà, quand on arrive à Londres, deuxième attentat d'annoncé, il va se faire, ou du moins on va l'empêcher, mais du coup, voilà, ça va faire tuer Nathaniel Brown, et du coup, enfin, je sais pas du tout, mais je m'étais dit, ok, ça va avancer, et ben non, ça s'est pas fait. Et je serais même presque tenté de la jouer fanfiction, d'écrire ce que j'aurais bien aimé voir, plutôt écrire ce que je voulais pas ne pas voir, enfin, de manière à me satisfaire, parce que franchement, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le gameplay. Là, j'ai un peu envie, enfin, je serais pas contre de continuer d'y rejouer parce que même si ce serait un peu répétitif et que les niveaux se ressembleraient parce qu'il y a beaucoup d'intérieur, je dirais pas le contraire. Enfin, je dirais ok, pourquoi pas. J'ai l'impression d'avoir tellement attendu au début dans le jeu de me dire ok, ça va arriver, que finalement ça faisait 5, 10, 15, 20 heures et ben les mecs se sont dit, les gars, c'est bon, on a fait 30 heures de jeu, on peut couper là. Je pense que malheureusement, les jeux aujourd'hui, voilà, sont une sorte de soumis un petit peu à une politique de cahier des charges, en fait, pour que le truc dure sur le plus long possible, sur la durée le plus longue possible, pour que ça leur soit plus rentable. Donc, quitte à faire des jeux moins aboutis dans le sens, bah, juste livrer, juste, hein, livrer 30 heures de jeu, et puis alors que on pourrait en faire plus parce que ça serait cool d'en faire plus pour cet opus-là.
Mais non, il faut que derrière on en sorte un autre jeu. Enfin bref, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc je suis très déçu de Deus Ex Mankind Divided, surtout sa fin en fait. Parce que le reste du jeu est très intéressant niveau histoire. Ouais, niveau gameplay, comme je l'ai dit, hein, l'IA est quand même laisse beaucoup à désirer. Et enfin, même des trucs, je veux dire, il y a plein de missions secondaires, ou même des endroits qu'on n'explore pas, ou des fois qu'on traverse parce qu'on a été curieux, mais on se dit, ok, ça va faire partie de l'histoire principale à un moment donné, mais et qu'on y reviendra. Bah non, en fait, faut... Alors après, ça peut être bien, ça nous pousse à chercher. Il y a un moment, par exemple, j'avais trouvé un passage secret dans les coffres de la banque Palissade, mais genre les gros coffres de la... de je sais plus qui d'ailleurs, mais genre un truc ultra secret, j'avais trouvé un passage bah, secret justement pour y accéder. J'étais super content d'avoir voilà d'avoir comment dire trouvé ça et de pouvoir voler tout ce qu'il y avait dedans en fait pour la jouer absolument pas RP, mais c'était assez fun. Il y avait des endroits que je pouvais pas parce qu'il fallait des cartes d'accès. Je me dis ok, on pourra y revenir, il y aura des missions secondaires par rapport à ça. Ou du moins la mission principale nous y fera revenir, et en fait, bah non, c'est cool, puisqu'on peut y retourner et du coup jouer indépendamment de la mission principale. Mais bah, tout n'est pas exploré, et puis même, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à Prague, et il n'y a pas d'autres endroits, en fait. Quand j'allais à Londres, je me suis dit, ok, une nouvelle ville, en fait, mais en fait, non, il n'y a pas, il n'y a que deux villes qu'on peut explorer. Enfin, il n'y a que Prague qu'on peut explorer, et après il y a Golem City, le complexe de Toulouse, où on peut un petit peu vagabonder, mais ça reste très linéaire. Autrement, c'est tout, on va pas ailleurs. Il y a la Suisse, mais c'est juste un entrepôt, et du coup, c'est un truc fermé. Et il y a Dubaï, donc ça, c'est pour l'intro. Mais c'est tout, et quand je reprends par exemple bah, Human Revolution, on avait Détroit et Shanghai, je crois. Et après, on avait d'autres endroits. Un peu plus confiné, mais voilà, on avait l'impression là, Détroit c'est le début, on allait à Shanghai, c'est Shanghai, ah je suis pas convaincu que c'est Shanghai, enfin peu importe, on allait à Shanghai et du coup bah là c'est le jeu qui redémarrait en quelque sorte dans un nouvel endroit, puis après on revenait à Détroit parce que bah, les trucs intéressants continuaient à s'y dérouler, voilà, on allait des fois dans des endroits comme Punchaya où il y avait à Montréal, notamment chez Picus, enfin voilà, il y avait des niveaux spéciaux. Là, j'ai pas trouvé ça dans Prague, enfin tout était un petit peu même endroit. Enfin, je sais pas, même il y avait des missions secondaires qui étaient vraiment très sympas pour le coup. C'était pas un truc, allez-moi chercher 10 piles ou je sais pas quoi. Non, non, c'est vraiment des missions secondaires qui étaient intéressantes. Mais même, je me suis dit, ok, il va y avoir d'autres plus importantes ou même. Le truc qu'on apprend avec Sarif par rapport à nos augmentations, je me suis dit on en apprendrait plus, mais en fait, non, pas plus que ça. On apprend juste que qu'il y a quelque chose de mystérieux, mais on le sait pas. C'est là où c'est dingue, j'ai l'impression que les missions secondaires sont terminées, et du coup, la suite des missions secondaires, on l'aura dans le prochain jeu. C'est quand même ouf ça. Enfin, pour moi, une mission secondaire dans un jeu, elle se termine à la fin du jeu, ou dans le jeu, quoi. Enfin, bref. Je vais pas trop. Ça fait déjà presque 30 minutes. Si, presque 30 minutes, 25 là. 27 plus. Que je discute, ouais, vraiment une grosse déception de la fin. Je pense que je vais rejouer au jeu en New Game Plus pour explorer un peu plus. Plus. Faire peut-être des missions secondaires que j'aurais zappées. Je vais sans doute louper des contenus de jeu, hein, même au niveau de la fin. Hein. Je tâcherai un petit peu de modifier ça. Et de relativiser, mais. Mais même, je pense que le truc n'est pas abouti dans son histoire, alors que c'est le gros du. C'est son gros point fort. Bref. Vidéo quand même bien très 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 longue. Bien trop longue. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et bon, je sais pas si je reparlerai de Deus Ex à l'avenir. C'est quand même une licence qui m'était assez. Enfin, qui me tenait quand même. Et je sais pas si j'en reparlerai ou si je referai des vidéos sur le jeu. Je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!